Hello tout le monde, bonjour encore. Je suis Alade Yesufo, développeur à Meet Marco. Je serai votre coordonnateur pour ce workshop. Et nous avons avec nous Monsieur Trinité Zinsou qui va nous présenter, montrer quelques stratégies de backup qu'on peut mettre en place sur un serveur. Précisément, stratégie de backup pour les bases de données Postgre. Excusez-moi. Donc, Monsieur Trinité Zinsou, CTO à Optimize. Bon, c'est tout ce que je peux donner comme information sur lui. On le laisse se présenter lui-même. Donc, Monsieur Trinité, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme me disait tout à l'heure, je m'appelle Trinity Sinsou, je suis actuellement CTO à Optimize, ingénieur de formation à l'EPAC. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce serait d'explorer ensemble quelques possibilités pour pouvoir mettre en place des stratégies de backup avec des bases de données, notamment les bases de données Postgre. Donc, ça va revenir à voir un peu comment on fait les choses. Et puis bon, après ce partage d'expérience là, essaie durant ce partage d'expérience là, essaie de s'amuser. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde est prêt pour qu'on commence. Si tout le monde est prêt, je vais directement commencer avec la présentation et puis on va essayer de s'amuser. Ça doit nous prendre un truc de masse, 1 heure de temps, et après la 1 heure, je pense que tous on devrait pouvoir être satisfait. Donc, si vous êtes prêts, vous me suivez, on va dire, bon, tapotez l'écran et faites-le-moi savoir. Donc, Trinité, tu as coupé le partage de ton écran. Est-ce Oui, que tu peux... bien sûr. Ok. Bon, là, j'ai l'écran qui est partagé. Bon, là, c'est la seule page du slide. Stratégie de backup efficace pour protéger vos données contre les pertes. Ce qu'on va faire aujourd'hui a une particularité, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de slide. Donc, comme l'a dit quelqu'un, ça va aller vite. Vous allez devoir me suivre attentivement parce que je ne vais pas me répéter. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va explorer les choses directement depuis le terminal et parfois aller sur des documentations liées, faire de l'exercice en vrai, comme si on était en situation réelle de travail. Donc, l'activité va se tourner autour de Postgre. Donc, je vais rapidement commencer par porter sur la documentation de Postgre. Et ça va être le cœur, c'est là que tout va se jouer. Ça, c'est la documentation de Postgre 16. La page concernant les backups et les restaurations. En gros, nous avons deux types, pour aller comme ça, nous avons deux types de backups. Les deux types de backups sont les backups globales. Ça suppose en fait que je récupère à un instant T tout le contenu en fait d'une table, d'une base de données, d'un serveur. Je récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur directement. Bon, c'est comme copier un dossier et le coller quelque part. Il y a les backups de type incrémental qui reviennent à chaque instant récupérer le supplément. Donc, l'ajout qu'il y a eu depuis la dernière sauvegarde, on peut comment faire avec Git. Donc, c'est les deux possibilités là qu'on va essayer d'explorer. Au niveau de la documentation de Postgre, là, il y a un schéma détaillé. Si j'insiste sur la documentation, c'est parce que je voudrais que, à la fin, en plus de ce que j'aurais à dire, qu'on fasse l'exercice d'aller lire un peu pour savoir ce que ça donne. Donc, ça va commencer par installer Postgre sur des machines qu'on va exploiter. Donc, j'ai préparé deux machines que je vais utiliser. Une machine qui va servir à contenir la base de données, la seconde machine qui va servir à porter la sauvegarde. Donc, ce qu'on va faire, d'entrée, je souhaite d'installer Postgre sur les machines en question. Donc,
Donc, je vais simplement aller suivre. Je vais suivre un tutoriel de l'Italocean, copier-coller ce qu'ils ont fait là pour vite avoir le Postgre installé. Ça doit aller vite. Donc, ce qu'on va faire, on va installer Postgre sur une machine qui va être un peu, je suppose, notre machine de production là. Et sur la seconde machine qui va servir pour le backup, on va essayer de récupérer le backup et de cette machine-là, essayer de lancer des sauvegardes, essayer de lancer des restaurations au cours de ce qu'on aurait à faire là. Donc, je pense que la Postgre est installée. Là, donc, c'est Postgre la version 12. C'est presque fini. Le tutoriel de DigitalOcean, celui-ci nous donne plusieurs étapes en fait pour configurer par défaut une base de données de type Postgre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais d'abord installer la base de données, après créer un utilisateur, créer une base de données, faire tout ce qu'on veut avec là. C'est ça de préparer un environnement depuis lequel on va pouvoir tester réellement ce qu'on fait. Donc, Postgre étant installé ici, ce que je fais par la suite, c'est quoi? C'est créer un utilisateur ici. On va créer un utilisateur depuis notre commande, vite de commande. Je vais créer un utilisateur qui va porter le nom de l'utilisateur sur la machine. Ici, c'est Valorant. Donc, je le crée. Là, j'ai un utilisateur directement qui est créé sur la machine Postgre. C'est des utilitaires que je pense avec lesquels on doit, la plupart doivent être déjà familiers. S'il y a dans le mine des gens qui l'ont déjà fait, je ne sais pas si vous pourriez me le faire savoir en me donnant un petit pouce pour que je sache un peu. Allô, vous me suivez? Dans le mine, qui sont ceux qui ont déjà installé et configuré Postgre? OK. Donc, après la phase d'installation de Postgre, ce que je vais faire, ça va être de créer un utilisateur. Après la création d'utilisateur, ce qui va suivre, c'est de créer une base de données pour cet utilisateur-là. Maintenant, là, je viens de créer une base de données pour mon utilisateur vacant que je viens de créer. Après ça, je vais pouvoir me connecter au serveur Postgre que j'ai installé juste en tapant la commande PSQL. Dès que je fais ça, j'ai une interface qui me permet d'exécuter des requêtes SQL directement sur mon serveur. Donc, j'arrive à me connecter ainsi au client, à un client sur la machine qui me permet de faire des requêtes vers le serveur. Le but, c'est pas de faire du SQL, mais on va essayer de voir rapidement l'étape que nous avons à l'instant. Au niveau de notre serveur Postgre. Là, par défaut, nous avons trois tables, la table Postgre, la table la base de données plutôt Postgre, la base de données template 0, la base de données template 1 et la dernière que je viens de créer à l'instant vacante. Donc ainsi nous venons de configurer rapidement un petit serveur Postgre qu'on va utiliser pour faire notre démo. Ce qu'on va faire après c'est de créer une base de données qui va être servie à tous nos tests. Donc je vais créer une base de données et ajouter des lignes à une table que je vais aussi créer cette base de données de façon à pouvoir après faire les opérations de sauvegarde et au tap sur la base de données en question. Donc rapidement je vais juste faire create database test qui va me permettre de créer une base de données. Ici je nomme test qui est créé. Donc si désormais j'essaie de lister les bases de données, on va voir qui est la base de données test qui est bien mis en évidence là. Maintenant, quand je crée ma base de données test, je peux me connecter à la base de données test en question et faire tout ce que je veux depuis le client là. Maintenant, à ce moment-là, du moment où je suis connecté à la base de données en question, ce que je vais faire, c'est d'ajouter des lignes. Donc, je vais enregistrer les données dans la base de données Postgre. J'ai déjà
un script préfet. Donc, ça revient en fait à faire quoi? À créer une table post avec les champs que voici. Donc, il y a un champ integer, il y a un champ title, idée, le titre, le contenu, la duplication et le type. Donc, après ça, les lignes qui suivent permettent d'insérer de la donnée dans les tables en question. Donc, quand je vais valider, je vais avoir la table créée et les deux données là que j'ai choisi d'insérer dans la base de données enregistrée. Je peux voir ça en choisissant. Donc, quand je vais faire select star from post, on va avoir les deux lignes qu'on vient d'enregistrer là qui sont bien présentes dans la table. La première ligne qui a pour idée 100. Le titre qui est un tout ou est-ce qu'il y a ainsi de suite, la seconde ligne qui est celle-là. Donc, tout à l'heure, je disais, les sauvegardes avec, elles sont de deux types, il y a les full et les incrémentales. La sauvegarde full revient en fait à récupérer l'état entier du serveur de la base de données. Donc, ça va être le premier type qu'on va expérimenter. Ça revient en fait à un peu récupérer, exporter la base de données là en un script SQL qu'on va pouvoir utiliser et porter d'un serveur à un autre. Donc, pour ça, il y a produit qui fournit un utilitaire assez intéressant. Le voici ici, pgdump.all, ou pgdump.all. Donc, lui, il permet en fait de dump la base de données directement. Si je ne veux pas utiliser pgdump.all, il y a pgdump qui me permet de spécifier un type de base de données qui m'intéresse avec des éléments qui vont avec. Donc, on va utiliser pgdump là. Je vais vous montrer de quoi je parle. Je choisis pgdump. Je choisis de... Donc, en tant qu'utilisateur vagant, je choisis spécifier la base de données. Ici, c'est la base de données test. Et je rédige tout dans un fichier test.sql. Là, je viens de faire un backup de la base de données en question rapidement. Donc, ce qui va se passer là, c'est que un peu, on va dump la base de données, avoir un schéma SQL, donc du script SQL généré qui va nous permettre de restaurer notre base de données sur n'importe quel serveur à n'importe quel instant. Si j'essaie de voir le contenu du fichier test.sql, on va voir que c'est un fichier du script SQL qui est généré qui nous permet de restaurer la base de données. Donc, on a la commande de tout à l'heure générée qui est créatable là. Et à l'intérieur, les insertions qu'on a eu à faire. Donc, on a les deux lignes ajoutées à la base de données qui sont bien présentes. Donc, c'est la première option pour dump une base de données. Pour faire le backup d'une base de données, ça revient à récupérer tout le contenu de la base de données en un bloc. Ça, c'est une installation que je fais directement avec... que j'ai fait sur des machines Linux. Si par exemple, vous utilisez Docker, une façon pratique de faire, c'est de copier le volume, un volume associé à la base de données, donc un dossier au niveau duquel la base de données stocke ces fichiers qu'on copie, qu'on transporte d'un serveur à un autre. Ça, c'est aussi une façon de faire. Maintenant, cette façon de faire ici a l'avantage de récupérer en une fois tout le contenu de la base de données, mais présente un inconvénient. Plus la base de données, elle a du contenu, plus le dump, il prend du temps. Donc, si j'ai une base de données qui pèse 500 gigas, si je dois exécuter ce type de sauvegarde, non seulement il faudrait que la machine qui supporte la base de données soit très puissante, mais il faudrait aussi que j'ai en fait du temps réellement pour faire cette opération-là. Vous me suivez? Allô? Oui, on te suit. D'accord. Donc, ça fait que les sauvegardes, ce type de sauvegarde n'est pas très approprié dans un contexte où on a une application qui tourne réellement, donc il y a du trafic derrière. Parce que plus ça va donner, prend en taille, plus ça devient difficile, plus ça prend du temps. C'est là que les sauvegardes incrémentales interviennent. Maintenant, pour comprendre le principe des sauvegardes incrémentales, tout à l'heure, je faisais référence à Git, par exemple, qui nous permet de versionner les fichiers sur lesquels on travaille en tenant compte de l'historique. Donc, il a un état du projet à chaque instant. Donc, chaque fois que je vais commune sur Git,
Il essaie de récupérer les dernières modifications qu'il a eues depuis le dernier commit. Et c'est ça uniquement qui pousse sur Git. La sauvegarde incrémentant le même principe. Pour les faire produire, se base sur un mécanisme à son niveau qui lui permet de récupérer, en fait, d'avoir l'historique d'une certaine histoire sur la base de données de façon à pouvoir traquer efficacement les modifications qui ont été faites à chaque instant. Et ce mécanisme se base sur des fichiers de log. En gros, ce qui se passe avec PostgreSQL, c'est que à chaque instant, je vais caricaturer rapidement, j'ai mon serveur de base de données qui est ici, là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des fichiers dans lesquels PostgreSQL écrit cette donnée. Donc, c'est ce fichier-là, en vrai, qu'on veut historiser. C'est ce fichier-là qui doit être logé de nos backups. Maintenant, ce qu'il lui fait, c'est quoi? Chaque opération qu'on fait sur la base de données, par défaut au niveau de PostgreSQL, donne naissance à une transaction. Donc, c'est une opération, si c'est une opération d'écriture, c'est qu'on veut écrire dans la base de données, PostgreSQL déclenche une transaction. Et après, en fait, la transaction permet de scoper un certain nombre d'opérations d'instructions SQL et de les faire passer, de les enregistrer en vrai uniquement si tout le bloc s'exécute sans erreur. Donc, ce qu'il produit, c'est qu'à chaque transaction qu'il fait, il essaie d'enregistrer la modification apportée à la base de données. Il enregistre la modification apportée à la base de données là, au niveau de cette transaction-là, et met une date dessus. Ce type d'opération, ce type de log au niveau de PostgreSQL s'appelle VAL. V-A-L. Write ahead login. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? PostgreSQL s'occupe juste à chaque opération sur la base de données, chaque écriture sur la base de données, d'écrire, donc de journaliser l'opération. Ça suppose que, je suppose par exemple, je viens d'ajouter un truc, il enregistre que à la date X, j'ai enregistré telle donnée dans la base de données. Donc, ce mécanisme d'historisation va servir à PostgreSQL plus tard pour pouvoir restaurer ou pour pouvoir récupérer depuis la dernière sauvegarde les modifications apportées à la base de données. Parce que chaque transaction sur la base, chaque opération sur la base de données est historisée. Donc, si j'ai fait une sauvegarde, par exemple, à 10h30 et que je veux faire une sauvegarde à 10h40, c'est que l'historique de 10h30 à 40 étant déjà récupéré par le backup, il va juste récupérer l'historique de 10h30 là à 10h40. Ça fait que je vais pouvoir faire ma sauvegarde en très peu de temps sans beaucoup de difficultés. D'où l'aspect incrémental de ce type de sauvegarde. Ça nous permet juste de récupérer, en fait, d'apporter un incrément à chaque fois, d'ajouter un incrément à chaque fois à l'ancienne sauvegarde qu'on a. Comme si on faisait, par exemple, en programmation, un i égale à i plus 1 ou bien i plus alpha. On ajoute juste une certaine valeur à l'ancien backup qui est là, et c'est ça qui récupère et continue son chemin. Donc, le principe du backup incrémental repose sur le while write ahead login qui permet à PostgreSQL d'assurer l'intégrité de la donnée. Chaque transaction avant d'être, chaque opération sur la base de données est d'abord journalisée puis enregistrée. Donc, ça lui permet de pouvoir, à base de ce journal-là qu'il tient, de restaurer et de pouvoir faire des sauvegardes directement avec la base de données là. Maintenant, PostgreSQL, à son niveau à lui-même, offre des utilités pour gérer les bases de données incrémentales là. Donc, ça revient en quelque sorte à faire des copies de ces fichiers de ce journal là. La sauvegarde incrémentale revient à copier ce journal là et après de demander à PostgreSQL de déclencher en quelque sorte, l'exécution. Si je veux, par exemple, faire une sauvegarde incrémentale, je suppose que j'ai déjà fait une sauvegarde à 10h30, je vais copier les nouveaux fichiers de log, donc les WAL, qui sont que PostgreSQL a généré de 10h30 peut-être à 10h40, le jour de ma seconde date de ma seconde sauvegarde. Quand je fais ça, c'est que je fais la sauvegarde incrémentale. Maintenant, plus tard, pour venir restaurer, ce qui va se passer, c'est que dans le contexte de la sauvegarde du full backup où je suis obligé de récupérer tout le contenu de la base de données. Donc, à la restauration, je dois forcément restaurer tout le contenu de la base de données
avec les sauvegardes incrémentales, je peux juste récupérer la donnée à une date que je veux. Parce que la donnée étant historisée, je peux demander à Postgre de me récupérer la donnée de 10h30 là jusqu'à 10h35 au lieu de 10h40. Donc, ça nous offre une possibilité là, c'est que je peux décider de à quelle date et à quel moment je veux restaurer ma base de données. Et ce mécanisme, on l'appelle le PITR. PITR pour dire point in time replication. En gros, je voudrais récupérer ma base de données, le contenu de ma base de données, mais à une date bien précise. Donc là, si je dois faire un bilan rapidement, les sauvegardes incrémentales, les sauvegardes globales me permettent de récupérer tout le contenu de la base de données, donc de faire des opérations là-dessus. Donc je suis obligé de restaurer toute la base de données à chaque instant. Par contre, les sauvegardes incrémentales me permettent de récupérer à chaque sauvegarde le supplément, l'addition qu'il y a eu depuis la dernière sauvegarde. Et donc, avec cette option, vu que ça se base sur un journal interne de Postgre, on arrive à restaurer les données au niveau de Postgre là, en se basant sur la date. Donc, je peux venir restaurer ma base de données à une date quelconque. Là, ce qui se passe, c'est que si je suppose que dans notre business, dans notre système, on a eu un incident entre 10h30 et 10h45, et que la dernière sauvegarde qu'on a, elle est une sauvegarde de dispose 10h46. Avec la sauvegarde globale, je ne peux pas revenir en arrière. C'est difficile pour moi de revenir en arrière parce que la sauvegarde, l'incident a eu lieu à 10h. On a eu notre incident à 10h45, alors que le backup, c'était déjà 10h, je suppose 48. Donc, si je me base sur la sauvegarde, la full backup que j'ai eu à faire à 10h48, c'est déjà la donnée qui est biaisée. Donc, je ne peux pas vraiment revenir à la donnée de 10h45, à moins de mettre à écrire des migrations de petits trucs pour essayer de revenir en arrière. Par contre, avec les sauvegardes incrémentales, je peux décider, malgré que ma dernière sauvegarde ait été faite à 10h48, de restaurer mon système à 10h45. Parce que Postgre tient un journal des opérations effectuées sur la base de données qui lui permet de revenir à chaque instant que l'on veut en arrière pour pouvoir avoir la base de données en état désiré. Allô, vous me suivez? Oui, on te suit. Je ne sais pas si à ce stade de ce que de l'exercice qu'on fait là, vous avez des questions à poser avant que je n'aille plus loin. Est-ce qu'il y a des questions ou bien c'est clair pour tout le monde? Il n'y a pas de questions. Tout le monde. Il n'y a pas de questions. OK. Rapidement, ce que je vais faire, c'est souhaite poser une question. Je vais désigner quelqu'un pour aller poser une question, voir si effectivement il m'a suivi jusque-là. Je ne sais pas si c'est permis à l'aller. Ouais, c'est permis. Super. Sosa, c'est bien ça, non? Oui. Allô? Oui, allô? Super. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Je vais bien aussi. Est-ce que, avec ce qu'on a dit là, vous pouvez nous parler d'un avantage de la base des sauvegardes, des full backup par rapport aux sauvegardes incrémentales? OK. De ce que j'ai retenu, et les sauvegardes complètes sont les premières sauvegardes qui s'effectuent, quel que soit le type de sauvegarde qu'on effectue, elle soit une sauvegarde complète ou une sauvegarde incrémentale. C'est d'abord la première sauvegarde qui s'effectue. Maintenant, dans le cas de la sauvegarde complète, on a à un instant T toute la
toutes les transactions qui ont été effectuées au niveau d'une base de données. C'est ça. Si une action est effectuée après le moment où la sauvegarde complète est effectuée, ce n'est pas pris en compte. Ce qui n'est pas le cas pour la sauvegarde incrémentale. Dans le cas de la sauvegarde incrémentale, en fonction du rythme ou je vais dire de la fréquence à laquelle ça a été configuré, on peut récupérer on peut récupérer une sauvegarde. Non, on peut récupérer un état de la base de données à un instant T beaucoup plus précis. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, maintenant, est-ce que vous pouvez me dire ce qui permet cette récupération-là, un instant T? Vous dites? Qu'est-ce qui permet cette récupération-là, un instant T? C'est les... comment ils appellent? Bon, je vais dire les incréments. Les incréments, parce que c'est plusieurs petits sauvegardes qui sont... c'est pas une sauvegarde complète, mais quand il y a une modification... en fonction de la configuration qui a été faite, et il y a sauvegarde qui a été une partie de la une partie de la sauvegarde qui a été faite à un moment donné. Donc c'est à partir de ces incréments là qu'on peut récupérer l'état qu'on veut. Je vais essayer de vous dire ça beaucoup mieux. D'accord. Je pense que la comparaison est réussie maintenant par rapport à l'avantage, je dis l'avantage qui rend possible la récupération de la base de données en une date bien définie. C'est parce que PostGUI a un mécanisme de journalisation de toutes les transactions effectuées sur la base de données. Oui, tout à fait. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque opération qu'on fait sur la base de données est journalisée. Donc, c'est comme avoir un fichier dans lequel il écrit à 8h10. Telle table a été ajoutée à 8h11, telle ligne a été enregistrée. Donc, ce fichier-là permet à PostGUI de revenir, en fait, l'incrémental revient à se baser sur ce fichier-là pour récupérer depuis la dernière sauvegarde les nouveaux ajouts sur la base de données. Et oui. Comme c'est historisé dans le temps, ça nous permet de décider de faire une copie. En fait, ça, la sauvegarde, c'est une copie. Ça nous permet de faire une copie des données du système depuis une certaine date. Donc, la date de départ à laquelle on a eu à faire un full backup jusqu'à ma date désirée à moi. Donc, il va juste se déplacer dans les fichiers de log là et faire les copies des enregistrements juste et s'arrêter maintenant à la date qu'on lui aurait spécifiée. Exactement. Et surtout que dans le cas d'une sauvegarde de type incrémental, on n'a pas à faire un backup complet de la base de données à chaque fois. Ce qui fait qu'après la première sauvegarde, les sauvegardes incrémentales successives sont beaucoup plus rapides. Très bien et très légères. Ça marche. Mmh. Super. Bon, maintenant, je vais parler rapidement d'un truc là que PostGUI offre encore en plus de ça là que nous avons déjà. C'est que je ne sais pas si dans le chat, certains connaissances de la notion de, par exemple, quand on parle de la journalisation, de log rotation. Log rotation. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont une connaissance, qui l'ont déjà expérimenté? Vous, Thomas? Tu peux nous parler un peu de ce que c'est le log rotation? Oui, Tavaliou, tu peux prendre la parole. Oui, salut, tu peux parler? Oui. Bon, de ce que je sais sur le log rotation au niveau de Linux, par exemple, on peut définir, si je ne me trompe, une fréquence de... je suppose de journalisation ou d'écriture dans un fichier log. Et à cette fréquence, chaque fois, on crée
comment on appelle ça, un nouveau fichier de log avec les informations courantes. Et lorsqu'on conserve cette sauvegarde-là sur une période, on peut conserver, je pense, tu définis par exemple un nombre, peut-être jusqu'à 14. Donc, quand ça dépasse, on commence par supprimer les plus anciennes informations de finalisation, par exemple. Donc, les plus anciens fichiers de log. C'est pas si, chef d'invitat. Oui, c'est bien ça. Donc, le log récent, c'est une technique qui permet de se baser sur certains critères et d'écrire les logs dans un fichier différent. En gros, pour ne pas avoir à la clé un fichier, un seul fichier de log très, très lourd, ça nous permet d'avoir de petits fichiers de log dans lesquels on écrit à chaque fois. Et comme il l'a dit, avec des mécanismes, on peut soit à un moment donné chercher à les fusionner pour avoir un fichier, soit à les supprimer. Ça dépend de l'utilité. Maintenant, les critères pour faire la rotation sont généralement sur deux trucs. Soit c'est sur la date, comme il l'a dit là. Donc, je veux qu'un fichier et de log soit, je vais dire, actif pendant peut-être 14 jours, comme il l'a dit là. Soit c'est qu'on met le critère sur la taille. Donc, par exemple, tu dis que chaque fois que le fichier atteint 5 mégabits la taille du fichier atteint 5 mégabits, on change de fichier. Donc, ce mécanisme-là, il est interne aussi à Postgres, qui l'implémente très bien. De façon à ce que, même si je ne fais pas de backup incrémental, mais que je configure Postgres d'une certaine façon, automatiquement, chaque fois que les fichiers de log atteignent 16 mégas, c'est des configurations, on peut modifier ça pour avoir on peut aller faire des configurations pour changer la taille par défaut, ça dépend de l'objectif. Dès que le fichier de log, suppose si ça, mon wall s'appelle toto.wall, je suppose juste comme ça, dès qu'il atteint 16 mégas, le fichier il est changé. Donc quand le fichier change, dès qu'il atteint 16 mégas, on a un nouveau fichier de log. Postgres offre la possibilité de d'implémenter, c'est comme mettre un signal, de façon à ce que à chaque fois qu'un fichier atteint les 16 mégas, il exécute une commande. Donc ça va être la suite de ce qu'on va voir. La suite va être beaucoup plus les configurations qu'on aura avec Postgres dans certains fichiers de configuration de Postgres. Et quels fichiers, pour les comprendre, il faudrait aller lire un peu la documentation de Postgres pour voir les options qu'il y a avec ces fichiers-là. Donc, l'étape suivante, ça va revenir à faire des configurations au niveau de Postgres de façon à ce que, automatiquement, on puisse faire des copies de ces fichiers de journalisation-là vers un serveur quelque part. Ça fait déjà du backup qu'on fait. Comme c'est du incrémental, il va à chaque fois copier l'incident qu'il y a à chaque fois. Donc, les nouveaux fichiers de documents qui ont été générés vont à chaque fois copier de mon serveur où il y a la base de données vers mon serveur de backup. Donc, ce qu'on va faire, vu que mon Postgres est installé fraîchement ici, les fichiers sont les suivants. Il y a deux fichiers qu'on touche pour ce genre d'opération. Il y a le fichier, je vais d'abord dans les dossiers de Postgres par défaut. Donc, c'est etc Postgres, la version main. Donc, dans ce dossier-là, on a que six fichiers. Il y a PSTL, PGIntent, stat, environment, PGHBA et Postgres.conf. Le principal fichier qu'on va modifier, c'est le fichier Postgres.conf. Donc, dans ce fichier-là, on va écrire de la configuration de façon à ce que, à activer d'abord les incrémentales, les sauvegardes incrémentales. Et après ça, on peut créer Postgres pour qu'à chaque fois qu'un fichier de journalisation atteint le pic de 16 mégabits, il exécute une commande pour copier le fichier d'un emplacement à un autre ou de mon serveur-là. Un serveur distant qui va être considéré ici comme notre serveur de backup. Donc, on va essayer de modifier le fichier postgres.conf. Donc, un fichier comme ça, un peu long, avec plusieurs options. Donc, c'est plein de choses. Par rapport aux besoins, on va modifier les trucs-là qui nous intéressent de façon à voir ce qu'on veut. Le premier truc qui nous intéresse ici, c'est le... Il y a dans le ici, je suis dans le niveau de la partie write et headlock. Donc, les configurations à propos du wall. Donc, il y a des paramètres là qu'on va ajuster. Le premier paramètre qu'on voit là, c'est le paramètre wall level.
Donc, c'est un paramètre qui nous permet de définir en fait un niveau de truc là. Il y a un niveau, bon, il y a trois valeurs là, minimal, logical et réplica. En plus de ça, on pourrait utiliser. Donc, on va utiliser réplica. Là, je suppose qu'on veut répliquer. En fait, on veut faire du avec nos voiles là, de l'application de données, donc de la copie, donc la sauvegarde de notre donnée. Donc, je décommande juste la ligne en question. Ça suppose que je suis en train ainsi d'activer l'application de données en se basant sur les fichiers de journalisation là. Quand on fait cette modification là, donc on active l'application avec les WAL. L'étape qui suit, c'est de définir une commande. Excusez-moi. Merci. Donc, j'ai activé déjà le truc, le wall setting là. J'ai activé le truc là-bas. Après, maintenant, il faut configurer. En fait, il faut dire à Postgre de vraiment journaliser. C'est une chose qui ne se fait pas à défaut. Donc, pour lui dire ça, il faut que j'active ici avec, en décommentant la ligne là, le mode archive, donc archive mode. Donc, c'est un, dès que je le mets à on, dès que je demande à Postgre, bon, quand je vais finir la configuration, charger la configuration, je lui demande ainsi de se mettre à générer des walls. Donc, les logs là, il se met à les générer. Tant que je ne le fais pas par défaut, c'est pas fait. Donc, quand j'active ce mode là, en bas ici, il y a le paramètre qui suit, c'est archive commande. Donc, c'est un paramètre qui va nous permettre d'écrire une commande qu'on voudrait exécuter quand l'archivage atteint son pic. Donc, à chaque fois que mes walls atteignent 16 mégas, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la configuration par défaut, on voudrait que Postgre exécute cette commande-là. Donc, je vais décommander aussi la ligne-là et ajouter, je suppose, par exemple, je vais faire mkd /home/grant ici/t. Donc, ça suppose que, avec ce que je viens de faire, c'est qu'à chaque fois qu'un fichier de log atteint les 16 mégas, Postgre va essayer de créer un dossier comme ça. Donc, je vais enregistrer les configurations que je viens de faire là. On va tester ensemble, voir ce que ça donne. Donc, quand j'enregistre la configuration, je démarre mon serveur Postgre, donc sudo service. Postgre restart. Je viens de redémarrer le service. Donc, il va charger la communication que je viens d'ajouter là. Maintenant, pour atteindre les 16 mégas de wall, on va essayer de les déclencher nous-mêmes. Parce qu'on ne va pas s'amuser à enregistrer de la donnée suffisamment pour atteindre le pic. Il y a des fonctions au niveau de Postgre qui permettent de soit même décider de finir avec un fichier de journalisation, un fichier wall. Donc, c'est la commande select PG. Bon, select pour le select classique du SQL, mais c'est la commande PG switch wall. Donc, on lui demande ainsi de changer de fichier de journalisation systématiquement. Mais avant ça, oui, bon, on va aller comme ça. Donc, on va demander à Postgre de changer le fichier de journalisation qu'il a démarré aujourd'hui. Il a tout de suite, quand j'ai redémarré le serveur, de passer un fichier de journalisation. Donc, je vais exécuter la commande. Quand je fais la commande, il fait une opération rapidement à son niveau. Et si je vais m'amuser à lire les logs de Postgre, comme ça, vous allez voir que dans les logs, là, le switch wall, j'ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre de changer de fichier. Donc, c'est comme si le fichier avait atteint les 16 mégas. Or, la configuration qu'on a fait tout à l'heure, ici, nous permet de la configuration là. Et la configuration ici nous permet de la configuration ici là, donc archive command mkd home vagranti nous permet de créer un fichier, un dossier à chaque fois que le wall change.
Donc ici, dans les logs, on va voir qu'à un moment donné, Ozuya essaye de créer un dossier. Ici. Il essaye de créer un dossier qu'on lui a spécifié, donc comme Valgrand là, parce qu'il n'a pas la permission pour le faire. Donc là, on voit déjà que facilement déjà, on peut écrire, par exemple, là, je suppose, un truc SS Talou, tu veux parler? Allô? Non. On dirait qu'il avait déjà levé la main depuis. Ok, donc, d'accord. Donc, ce qui se passe là, c'est que la commande en question, là, va être exécutée. Donc, en lieu et place de la type commande MKD, là, ça pourrait peut-être être un SCP. Donc, SCP pour du SSH, je vais copier le fichier en question de la machine. Une autre machine, ou peut-être ça va être une copie simple. Donc, je vais copier le fichier du dossier dans lequel il est, un autre dossier. Ça, là, simplement, ça nous permet de faire de l'incrémental, donc de récupérer les fichiers au niveau de Pozui, là, et son dossier à lui, vers une destination qui nous intéresse. Et on va aller plus loin en essayant de voir où se trouvent les fichiers en question. Avec Pozui, Pozui stocke ses fichiers par défaut dans par les Postgre main et c'est ça va les Postgre la version main je sais pas les trois je fais sudo su et je ferai mon CD va les Postgre la version main dedans j'ai plusieurs dossiers le dossier qui nous intéresse c'est le dossier PGWAL donc je vais être dans le dossier PGWAL. Du PLS, on va voir qu'il a généré des fichiers du WAL. Donc, il y a 00 quelque chose. Il y a un dossier archive status. Le dossier archive status qui contient un autre fichier. Donc, c'est des fichiers que Pozui lui comprend très bien. Donc, les WAL, disons, vont être stockés dans ce dossier-là, le dossier PG WAL. À chaque fois qu'on va avoir un switch WAL, il va les stocker là. À chaque fois, il va les stocker là. À chaque fois, il va les stocker là. Donc, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est déjà là, à ce niveau-là, d'écrire du SSH, du SCP ou bien du S5 pour copier les fichiers en question d'un emplacement à un autre. Et si je suis ici. Au niveau de la documentation, il y a une partie qui concerne le WAL archiving. Donc, ici, par exemple, ce que je dis là, vous allez voir qu'au niveau de la commande archive là, eux, ils font des copies, selon le type de serveur, bien sûr, ils font des copies de, puis l'emplacement de Postgre vers un emplacement dédié qui les intéresse. Ici, il y a deux paramètres qu'on observe, il y a le paramètre F et le paramètre P. Le paramètre F et le paramètre P désignent respectivement des emplacements. Le F, c'est pour le file name, le P, c'est pour le path des nouveaux WAL. Donc, c'est des choses que Pozui interprète à son niveau. Donc, par exemple, dans la commande copy, P, ces deux commandes, là, telles qu'écrites, vont devenir, si c'est qu'il fallait écrire des commandes shell, une commande comme celle-ci. Donc, ça revient juste à avoir le path. Ici, par exemple, on a copy P, là. Ça revient à avoir le path du WAL, qui ont des WAL concernés. On va copier vers un emplacement qui nous intéresse. Donc, dès que j'ai activé le WAL archive, que j'écris clairement ma commande archive là, c'est fini. Pozui peut tout seul déjà me faire des copies, donc des réplicas de mon système d'un emplacement à un autre. Tout ça là, au préalable, avant d'aller là-bas, je dois d'abord faire un backup, un full backup de base pour pouvoir y avoir. Et le full backup de base là, on le fait avec. Il n'est pas. C'est clair, comment je vais m'exprimer? Ce n'est pas un full backup comme ce qu'on avait tout à l'heure avec PGTump. C'est un backup qu'on fait ici, dans la documentation, avec la commande PGBase backup. Donc, on utilise la commande PGBase backup là. Il y a les trucs par rapport à ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que même si on ne le fait pas, le simple fait de switch le WAL déclenche de façon implicite. Un base backup. Donc, il faut faire un base backup. Après, maintenant, configurer
la commande d'archivage, activer l'archivage et c'est fini. À chaque fois que les fichiers de voile atteignent 16 mégas, Postgre s'occupe de copier ces fichiers et la donner un emplacement de leur emplacement initial vers un emplacement qu'on aurait voulu. Donc, ça peut être un serveur distant, tout ce qu'on veut. Ça peut être du stockage sur du cloud, SY et autres. Vous me suivez? C'est bon? Allô? Oui, oui, on me suit. Super. Claude, vous êtes avec nous? Allô? J'espère qu'il n'y a pas de questions. S'il y a de questions, vous pouvez ouvrir votre micro ou bien lever la main et poser la question directement. Okay. Oui, je suis là. Ok. Super. Ok, oui. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. On peut continuer. Donnez-moi un instant. Ok. Ok, je suis là. Donc, jusque là, c'est des utilitaires, des options que Postgre offre qu'on exploite. Et bon, ça semble un peu compliqué et bizarre pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à tout ça, les documentations et autres. Donc, ce qu'on va faire là, il y a un utilitaire qui existe, c'est développé en Python, qu'on utilise pour faire toute cette pile d'opérations là un peu plus facilement. Donc, les backups, les restaurations et autres. Donc, l'étape qui va suivre, ce serait de le découvrir, lui, et de l'utiliser. Donc, l'utilitaire dont je veux parler, c'est Barman. PG Barman, c'est son nom. Barman pour Backup and Restoration Manager. Donc, c'est un truc fait en Python dédié à Postgre qui fait correctement le travail. Ça, c'est la page de la documentation. Donc, il y a sur cette page-là tout le nécessaire qu'il faut savoir. En fait, ce qu'on va faire là, on va prendre un scénario type de Barman, l'implémenter, voir comment ça marche. Derrière, je vais laisser la liberté à chaque individu aujourd'hui présent de découvrir et d'explorer, en fait, si ça l'intéresse, les autres possibilités qu'offre Barman avec Postgre. Donc, on va rester dans la même ligne que tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais déjà de SSH ou de SCP. Donc, on va rester dans la même ligne. Donc, on va essayer de faire notre sauvegarde là avec du SSH. Donc, ça va être utilisé du SCP. Et ça correspond à cette architecture-là. Il y a plusieurs architectures qui existent. Il y a des architectures où il faut streamer les fichiers possibles avec des trucs là, des commandes de Postgre qui offrent le streaming. Il y a d'autres où on combine les deux selon le. Et il y a ce qui va nous intéresser là, on va utiliser du SSH pour copier directement le fichier log là vers nos serveurs de backup. Pour la suite, ceux qui voudraient pourraient explorer et découvrir eux-mêmes les autres possibilités qu'il y a. Donc, ce qui va se passer là, c'est quoi? On va avoir notre serveur Postgre ici et notre serveur de backup là. On va installer Postgre sur ce serveur-ci et sur celui-ci, on va installer Barman et configurer les deux de façon à ce que ils peuvent travailler ensemble. Quand on lit le diagramme, on voit que depuis le serveur de backup, il y a une connexion vers le serveur Postgre. Après, le serveur de Postgre envoie, en fait, il peut envoyer les trucs par async et exécuter aussi la type commande. Donc, c'est tout ce qu'on va faire ça. La type commande, on l'a déjà définie tout à l'heure. On va essayer de la modifier. Et ce qui reste à faire là, c'est d'installer Barman et de le configurer sur la seconde machine préparée pour cet effet. À cet effet. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais faire sudo apt update. Je suis sur Ubuntu. Donc, je fais sudo apt update. Après, je vais faire install Barman. Fais vite. Do app install on va juste installer Barman. Donc, quand on va installer Barman, on va rentrer dans les pistes de configuration à faire. Si on lit le scénario il est écrit là clairement ce que je viens de définir là. On dit standard connection to Postgre for management coordination, il faut du SSH. Dès qu'il faut du SSH, ça suppose qu'il faut qu'on génère des clés.
Donc, des clés, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de générer des clés. Une clé au niveau de notre serveur pour Bahaman, une clé au niveau de notre serveur pour PostgreSQL. Et derrière, ça nous amène à définir des mots de passe pour chaque utilisateur. Utilisateur PostgreSQL sur la machine, on va lui définir un mot de passe. Utilisateur Bahaman pour la machine, on va lui définir un mot de passe aussi. Et après, quand on va générer les clés, on va essayer de copier les clés, la clé de Bahaman au niveau de PostgreSQL, la clé de PostgreSQL au niveau de Bahaman, faire la configuration et lancer notre premier backup. Donc, je vais générer. Je vais d'abord générer un password pour Bahaman. Après, me connecter en tant qu'utilisateur Bahaman. Là, je suis connecté en tant qu'utilisateur Bahaman. Je vais dans son home. Donc, c'est /bahlib/Bahaman. Au niveau de son home, là, je vais maintenant générer une clé RSA. Pour lui, je laisse par défaut tout ce qu'il y a là. Donc, on va avoir désormais notre clé qui est dans le dossier SSH RSA. Donc, si je ne fais pas un 4 sur ça, on va avoir le contenu. Au niveau de PostgreSQL, on va faire pareil, la même opération. Donc, sudo password PostgreSQL. Ça suit? Oui. Depuis, c'est toi seul, tu réponds. Donc, quand je fais ça à ce niveau, je me connecte en tant que PostgreSQL sur la machine. Et je fais pareil, je génère aussi la clé là. Donc, quand j'ai mes clés générées des deux côtés, il faut copier maintenant les clés. Donc, je vais faire SSH, copie IT, je choisis le fichier qui m'intéresse, le fichier SSH, IDRSA, vers qui je veux aller vers la machine utilisateur PostgreSQL. Mon IP de machine, c'est le 192.11. Bon, 192.168.58.11. Ça, c'est l'IP de la machine sur laquelle PostgreSQL tourne. Donc, quand je fais ça, j'enregistre la clé. Et c'est fini. Désormais, je peux directement mettre ça sur la machine PostgreSQL en faisant PostgreSQL, SH PostgreSQL, avec le truc là. Et je suis connecté en tant qu'utilisateur PostgreSQL. On va faire la même opération au niveau de la machine PostgreSQL pour pouvoir se connecter sur le cloud, donc -i.ssh sur là le fait ssh copy it -i.ssh itrsa choisir Bahaman. Ça. Donc, je viens aussi d'enregistrer la clé de PostgreSQL au niveau de Bahaman. Donc, je peux aussi faire des connexions SSH depuis Bahaman vers PostgreSQL. Donc, quand ça là, c'est fait, c'est que au niveau de mon diagramme là, j'ai des connexions SSH que je peux avoir dans les deux sens de Bahaman vers PostgreSQL, de PostgreSQL vers Bahaman. Donc, on va pouvoir faire du async pour copier nos fichiers WAL. Donc, quand ça là c'est fait, l'étape qui va suivre, ce serait de configurer Bahaman. Donc, je vais l'ouvrir, une configuration que j'ai préparée à cet effet, dans mon fichier, truc là, dans VS Code. Donc, c'est un fichier de configuration à ce format là, donc le format.conf avec un squelette bien défini. Sur la documentation, il y a tout pour savoir comment le fichier là, on l'écrit. Par ici. C'est ça. Donc, il y a tout pour la configuration. Donc, il y a tout est expliqué en détail, comment configurer, faire tout ce qui va avec. On va s'intéresser à ce qu'il y a là. Donc, on met une description que je définis. On met une commande SSH à utiliser pour pouvoir faire le R5. Donc, si c'est SSH PostgreSQL, je mets l'IP du serveur en question. Et on met les informations de connexion à la base de données. Donc, on va mettre l'hôte, user Bahaman, dbtest et le password que je laisse comme ça. La bonne pratique, c'est d'avoir un fichier .pg pass. Ça, on crée un fichier .pg pass dans lequel on enregistre les informations de connexion de PostgreSQL que Bahaman est capable de lire pour
se connecter. Mais bon, moi, je laisse ça là pour aller vite. Donc, ce qu'on va faire, ça va être de nous connecter à notre serveur POSB. Avec cette information-là, on définit un backup méthode. Ici, c'est le S5 qu'on veut utiliser. Et le reste, là, c'est les options de est-ce que c'est du concurrent, est-ce qu'il faut aller vite, les petits frais du parallélisme et autres. Donc, c'est des paramètres qu'on active selon ce qu'on veut. Maintenant, à ce moment-là, je vais juste enregistrer le fichier en question au niveau de Batman. CD, bon, je pense PWT, je suis à ça. CD, ETC. Les fichiers de configuration sont souvent dans le dossier. On presse toujours dans le dossier ETC. Donc, ETC, Batman, .t. Donc, c'est ce dossier-là qui supporte les fichiers de configuration de Batman. Je retourne en arrière, je fais CD, sudo vim, slash etc, etc, batman.t, je fais test.conf. Donc, je vais écrire juste dans le fichier en question le contenu que j'ai préparé. Je vais le partager avec vous après pour la suite. Donc, quand je fais ça, j'enregistre le fichier batman là. Dans batman a une particularité, je ne peux exécuter la commande batman qu'en tant qu'utilisateur batman. En vrai, là ça passe, mais en vrai, les opérations, c'est souvent avec Batman que ça passe. Donc, je me connecte maintenant que Batman. Là, maintenant, ce qu'on va faire là, on va pouvoir lire le manuel de Batman. Donc, il y a plein d'options qui sont permises. C'est un peu, ça va être un peu truc là. Tout se passe dans le terminal. Donc, avec la documentation du Batman, on peut savoir tout ce que ça offre, le REL, la version, le archive, voilà, le backup. Si je veux lister les serveurs, il y a des options pour ça. Donc, il y a tout plein de possibilités qu'on a avec lui. Donc, list serveur, par exemple, je vais faire Batman, list serveur. Il m'a listé le serveur là que je viens de configurer tout à l'heure, PG. PG, j'ai, si vous avez fait attention, ici, dans le dossier, cd slash etc. Le fichier s'appelle test.conf. Et voici la conf. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire pourquoi, rapidement, avec s'il peut y avoir une intuition pour me dire pourquoi, quand j'ai fait PG, Batman, les serveurs, il a sorti PG, le test qui est le nom du fichier. Allô? Je peux pas dire. Ok. On dirait que Claude voulait parler. Claude, tu peux? Ok. Non, bon. Ce que moi, je veux dire, c'est oui? Juste pour dire, c'est peut-être parce que ta base de données s'appelle test. Non, ce que je dis, c'est le fichier créé et la base de données s'appelle test. Mais tout à l'heure, quand on a exécuté Batman, ici, Batman list serveur là, le retour qu'on a eu, c'est PG. En fait, il a dit que le serveur qu'on a là, c'est PG. Non, je n'ai pas idée. OK. Là, ça tient de la configuration. Le nom du fichier ou la base, le nom de la base de données importe peu. C'est parce que dans la configuration, j'ai initialisé ici un serveur PG. À ce niveau-là. Le serveur, j'ai le PG. Si je modifie le fichier, je le mets en test. Désormais, il va s'appeler test. Donc, comme mon serveur est déjà configuré, on peut check le serveur avec Batman. C'est dans son manuel, quand je fais man, Batman. C'est ça. Donc, check serveur name. Donc, il va nous sortir les informations clés par rapport au serveur. Donc, je vais faire Batman, check. PC. Et là, on voit que dans la liste des serveurs requirement, il y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà OK, qui sont prêts. Mais il y a deux éléments qui ne passent pas. Le premier élément, c'est par rapport à POSB. Ça suppose qu'il n'arrive pas à se connecter à POSB. Le second, c'est par rapport à voilà, Wallachage. Ça suppose que les WAN ne sont pas bien configurés pour lui. Donc, il ne peut pas travailler avec. Maintenant, pour savoir ce qui ne va pas, la pratique dans ce contexte, c'est d'aller lire les logs de POSB. Donc, je vais juste faire un tilde slash. Log
Oui. Ça, je fais un sud dessus pour être sûr que ça passe. Donc, on voit. Il sort rien, c'est ça. Il sort rien. On sait pas. Il vient pas encore là. C'est pas un souci. Le look n'est pas encore prêt. Mais derrière, ce qui se passe, c'est ceci. Dans notre fichier test.conf, on lui a donné des identifiants pour se connecter à PostgreSQL. Mais par défaut, ça n'a pas marché. Ceux qui ont déjà manipulé PostgreSQL, je ne sais pas s'il y en a dans le chat, ils doivent savoir que par défaut, PostgreSQL supporte uniquement les connexions sur localhost. Donc, il ne supporte pas les connexions venant d'un autre différent de son local. Or, la connexion là vient de Barman, qui est un serveur différent. Donc, par défaut, ça n'a pas passé, il va refuser. Ça, c'est un. On n'a jamais jusque-là créé d'utilisateur Barman sur la machine. Donc, ça n'a pas marché aussi au niveau de PostgreSQL. Donc, on va essayer de configurer PostgreSQL pour qu'il accepte la connexion venant de cet hôte-là et la connexion venant de cet utilisateur-là, avec cet utilisateur-là. Pour cette configuration, il y a avec PostgreSQL un fichier ici, le fichier PGHBA. Pour dire PostgreSQL Host Based Authorization. Donc, PGHBA. Donc, PostgreSQL PGHBA. Ça, c'est un fichier d'autorisation au niveau de PostgreSQL. Donc, PGHBA. Autorisation base. Host Based Authentication. Donc, c'est au niveau de ce fichier-là qu'on dit à PostgreSQL qui doit accepter, qui doit refuser. Comment le configurer aussi, là, c'est bien détaillé au niveau de la documentation. Nous, ce qu'on va faire, là, ça va juste être de configurer ça pour continuer. Donc, je me connecte là que je passe en route rapidement. Je suis là. Ce que je vais faire film sur le fichier PGHV en question. Donc, on voit les liens à l'intérieur. C'est un peu expliqué comment s'en servir. Donc, on a les entêtes qui sont bien définies de façon à ce que le fichier suit cette configuration-là. Donc, on va pas celle-là, celle-ci plutôt. Le type de connexion, la base de données à laquelle on veut se connecter, l'utilisateur qui doit initier la connexion et l'adresse depuis laquelle il faut accepter la connexion. Puis, bien sûr, plus tard, la méthode qu'il faut utiliser pour vérifier le mot de passe. Parce que les mots de passe sont hachés. Donc, il faut connaître la technique de hachage qu'il faut utiliser pour cet utilisateur-là. Pour maintenant authentifier. Si on n'utilise pas la bonne méthode pour l'authentifier, ça va pas marcher. Donc, ce qu'on va faire, on va créer ici une entrée, une ligne pour notre serveur Barman là, de façon à ce que les connexions de ce serveur-là soient désormais acceptées par PostgreSQL. Maintenant, je vais copier rapidement une ligne que j'ai déjà préparée à cet effet, celle-ci, et modifier ça. Donc, je vais juste je colle ça. Donc, je veux une connexion en SSL. En premier, la base de données sur laquelle je voudrais avoir ma connexion, c'est la base de données test. C'est tel que dans le contexte, on veut backup. L'utilisateur, je laisse ça à background comme ça, parce que j'ai déjà un utilisateur background. Maintenant, pour ce qui est de l'autre, là, si je laisse, pour ceux qui ont fait un peu de réseau, ça, c'est du CIDR. Donc, c'est pour dire quoi? Accepte toutes les connexions qui viennent sur n'importe. Bon, ouais. Ils disent juste accepte toutes les connexions qui viennent. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier directement l'IP de notre machine. C'était le 192, 168, 58.12. Comme ça. Mais comme ça, PostgreSQL ne le reconnaît pas. Il faut forcément ajouter le masque. Et le masque, le truc là. Pour donc qu'il reconnaisse la machine là. Comme je veux cette IP uniquement, je vais mettre 32. 32 pour dire quoi? Cette écriture, elle fait que chaque bloc, on a quatre blocs là, chaque bloc est noté sur 8 bits. Donc, l'IP entière est sur 32 bits. Donc, on voudrait dire à PostgreSQL que les 32 bits là sont déjà occupés. Donc, la seule plage, la seule IP que cette écriture offre là, c'est l'IP de mon serveur Barman qui est 192, 168, 58.12.
Vous pouvez aller faire un peu plus de recherche sur, sur le CIDR, classe, les interdomaines, quelque chose là. Je ne me rappelle plus trop. Sur le CIDR, c'est en réseau. Et je laisse la méthode à MD5. Dès que je fais ça, que j'enregistre, et que je viens de configurer Pozuli pour qu'il accepte les connexions venant de mon serveur Batman. Maintenant, il y a une dernière configuration qu'il faut encore faire, c'est au niveau du fichier Pozuli.conf là. Il y a une partie où il y a un paramètre liste d'une adresse. Donc, pour là, il dit qu'il doit se connecter uniquement de localhost. C'est ça qui permet d'ailleurs que par défaut, Pozuli n'accepte que les connexions venant de localhost. Donc, ce qui va se passer là, c'est que je vais écrire à ce niveau à lui et lui donner star. Ici, bon, il y a une légère documentation où on dit comment c'est priorité de liste, default, ou localhost, use star for all, tout de suite. Quand j'utilise star ici, je veux qu'il accepte la connexion venant de tout le monde. Mais dans le fichier PCHBA, je spécifie de qui je voudrais qu'il accepte la connexion. Donc, quand je fais cet enregistrement ici, je peux enregistrer le fichier là et redémarrer mon serveur Postgre. Le temps qu'il charge la configuration, la configuration est chargée. Maintenant, si je reviens au niveau de mon serveur Batman, il faut qu'on mette à jour notre fichier test pour désormais qu'il utilise, au lieu de user Batman, user vagrant que j'ai spécifié au niveau de ma commande, de ma config PGHBA. Donc ici, ça va être Batman. Et Batman vagrant. Et j'enregistre. Maintenant, jusque-là, on n'a jamais spécifié de mot de passe pour notre utilisateur vagrant. On va essayer de lui faire. C'est vraiment bizarre. Là. Je vais cliquer rapidement. Et est-ce qu'il a obtenu password? Actor user, ouais. Fait vite. Ça ici, je copie la commande que je vais modifier après. Donc, je lui mets juste comme mot de passe DDD. Et ici, je lui mets comme username vacant. Donc, on vient là de mettre à jour le mot de passe de notre utilisateur vagrant pour matcher la valeur qu'il y a dans notre config Batman. Donc, on va essayer de taper Batman à nouveau. Donc, je vais faire Batman. Batman check PG. Désormais, on voit que la partie Postgre est passe à OK. Ça suppose que quoi? Que désormais, il arrive à se connecter à notre serveur Postgre avec l'identifiant qu'on lui a passé là. Donc là, il va se connecter à ça. Maintenant, il reste la partie voilà, la PIN ne passe pas. En principe, le fait d'avoir switch déjà le wall ici une fois tout à l'heure avec PG switch wall là. Suffirait déjà à résoudre ce problème là. Mais des fois, ça persiste. Et quand ça persiste, ce qu'on fait, c'est que il y a une commande propre à Batman qu'on utilise pour lui donner la main pour que lui-même il passe un passage en force. Je pense que c'est la commande, c'est ça. Batman. La commande Batman. Ouais, switch. Install force archive et le nom du serveur. Ici, c'est PC. Donc, quand je vais le faire, exécuter cette commande-là. Pourquoi il passe pas? Il passe pas, non. Ça va pas passer là, ça fait du débagage qu'on doit faire rapidement.
Je vais essayer de déclencher une base backup moi-même. Donc, PG base backup, je spécifie le dossier dans lequel je vais avoir le backup et tout, et tout, et tout. Je lance ça avec sudo. Allons, est-ce que je suis tout qui est oui, ça peut aller. Donc, je lance ça. Fais le backup. Je vais réessayer celui-ci. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, on va lire le rapidement. Donc, sudo t va log barman. Donc, je vais il y a un truc qu'on a oublié ici. C'est que notre actuelle commande, là, on l'a laissé à mkd. Je pense que ça, c'est osb.conf. Allô, vous avez bien, monsieur? Allô? Et ça devient un peu de terminal avec un peu de commande là. Donc, ici, on avait une autre actuelle commande qu'on a laissée à mkd. Ici. On va la changer et écrire une vraie commande cette fois-ci. Je ne l'ai pas préparé ici. Non, on dirait. Je peux la voir ici, je pense. Très bien. Dans ces deux films, postgre.conf, achive command. Donc, ici, c'est du R5 qu'on va faire. Ça se passe sur du SSH. Donc, il essaie de synchroniser les dossiers. Donc, on va faire du R5-AV, c'est des paramètres. Le P pour le fichier, les fichiers de wall. Je mets les trucs, le serveur, l'utilisateur, l'IP du serveur, la destination. Le F, c'est pour le nom du fichier. Donc, on vient de réécrire correctement notre commande pour exécuter à chaque fois que le wall switch. Donc, quand ça enregistre, je dois redémarrer le serveur PostgreSQL. Je le redémarre. Et on va refaire notre barman check. Le switch wall. Très bien, là il passe. C'était ça le problème. Donc, on vient de forcer. En tout cas, on a permis à Barman de lui-même, tout seul, faire les choses comme il le veut en grand. Donc, il a tout ce qu'il faut maintenant. Si je fais Barman check PG, on voit que tout est prêt. Donc, on vient d'avoir comme ça notre Barman qui est configuré, prêt à l'utilisation. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire le sauvegarde dans toute tranquillité, en toute quiétude, sans trop de wahala. Donc, si je vais dans le manuel de Barman, on a là une commande backup. Ça ici, backup, on vous met le server name avec plein d'options. Donc, perform et backup pour le server name, using parameters specified in the configuration file. Si on fait plusieurs, on spécifie tout. Il y a des options qui vont avec. Nous, ce qu'on va faire juste, on va faire un petit Barman backup PG. Il détecte les walls, fait tout ce qu'il veut. Il commence la copie SSH
avec L5 qui fait la copie et il cible les WAL. Dans notre config, les WAL ont été prévus, non pas là, ici, au niveau de PostgreSQL là. Dans l'archive commande, on a défini les WAL doivent aller à l'emplacement par libamonpg incoming. Et ici, ça va être le fichier. Donc ici, si je fais ls. C'est pas libre. Bon. Ls va au niveau de Baman, va libre. Baman pg. Je vais avoir un dossier incoming. Si je veux un dossier incoming, il est vide. Il est vide parce que Baman, ici, la commande Baman pg backup, qui quand lui-même il copie les WAL. Et j'ai ça à son niveau. La commande ici qu'on a écrite, le L5 là, permet en fait de apposer de lui-même pousser les fichiers WAL vers une destination qu'on aurait définie. Donc si par exemple on refait un switch WAL comme qu'on a fait tout à l'heure là, il va switch le WAL et désormais le dossier-ci il va porter du contenu. Le contenu qu'il porte, c'est le contenu en fait qu'on lui a dit de balancer à chaque command ici. On lui a dit à chaque WAL switch cop synchronise le dossier dans lequel il y a les WAL avec un dossier sur le serveur distant. C'est tout ce qu'il a fait. Donc, ça nous permet de copier, je disais tout à l'heure au début déjà, de copier les WAL. On génère les fichiers WAL là, les logs, vers une destination qui nous intéresse qu'on pourrait utiliser. Maintenant, vu que j'ai mon backup qui est prêt, je peux faire pg au niveau de Baman. C'est Baman. On fait Baman. List backup. C'est dans les options de Baman, dans son manuel. Et je spécifie le serveur. Si je fais all, ça va me servir pour tous les serveurs. Si je ne veux pas tous les serveurs, je fais pg. Et à ce niveau-là, on a clairement la dernière sauvegarde qu'il a eu à faire, à quelle date, et la taille du WAL. Ici, on voit que c'est 16 mégabits. Donc, les WAL ont toutes les tailles de 16 mégabits. Et la sauvegarde, elle a été faite à 10h21 sur le serveur là-bas. Vous me suivez, les gars? Oui, on te suit. Vous comprenez? Oui. Vous avez des questions jusque-là? N'hésitez pas à poser les questions. Allô? Oui, allô? Oui, allô, Aristide, on te reçoit. Merci pour la présentation. Au fait, j'ai une question par rapport à Barman. Quelle est la différence entre Barman et puis enfin, le couple PG Dump et PG Restore, en fait? Très bien. PG Dump, c'est une commande, en fait, on va. Si. Je vais y aller rapidement en montrant le truc là. On va faire ça comme ça. Je pense que ça va être la meilleure option. Je vais un instant, je vais répondre rapidement. PostgreSQL. Ensuite, SUCT. PostgreSQL. CDPG. Voilà. Très bien. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est ceci. La différence entre le couple PG Dump et PG Restore et Baman, c'est bien ça, non? Oui, oui, c'est ça la question. Au début, on a parlé de deux types de sauvegarde. Les sauvegardes full total et les sauvegardes incrémentales. Donc, les sauvegardes totales, c'est là que le couple PG Dump, PG Restore intervient. Et en principe, quand je fais PG Dump, on a un fichier, on a un script SQL qui est généré, c'est bien ça, non? Oui, bon, tu peux changer le format en fait en sortie. Oui, bon, en tout cas, oui. Si je me fatigue, je ne me gêne pas, ça sort un script SQL. Oui, exactement. C'est ça. Maintenant, le script SQL qui est sorti, c'est que c'est l'état du serveur au moment de la sauvegarde. D'accord. Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, j'ai une question pour vous.
qui va vous permettre de vous, en tout cas, de vous retrouver un peu. Si vous avez un système qui tourne et que votre backup a eu lieu, le backup que vous avez fait a eu lieu à 11 heures, et que, bon, en fait, vous avez deux backups, faites vos backups chaque une heure. Donc, il y a eu un backup à 10 heures, un autre à 11 heures. Maintenant, vous avez un incident à 10 heures, 30 ou 45. Est-ce que le script SQL que génère PG Restore peut vous permettre de venir exactement à 10 heures? Je suppose, si je prends 10h30, 10h29, quelques tierces avant l'incident. Non. Très bien. C'est là la différence. Parce que l'autre, le coup PG Restore sort l'état du système à une date donnée. Et ça s'arrête là. Par contre, Barman se base sur un mécanisme de PostgreSQL qui repose sur des fichiers de log. Encore, en fait, PostgreSQL, à chaque fois qu'il y a une transaction sur la base de données, donc toute opération d'écriture au niveau de PostgreSQL déclenche l'écriture dans un fichier de journalisation. Donc, c'est fait de façon à ce que même la journalisation au niveau de PostgreSQL, elle est même faite avant que les modifications sur la base de données ne soient enregistrées dans les fichiers, système de fichiers de PostgreSQL. PostgreSQL met en avant ses logs. Donc, ce qui se passe avec Barman, c'est que tout ce qu'il va faire, il va se mettre à un niveau où il peut exploiter ces logs-là pour faire des opérations. Les logs étant journalisés, tout ce qu'on aura à faire, c'est de copier les logs jusqu'à une date qui nous intéresse. Donc, si je prends mon cas tout à l'heure où j'ai un incident à 10h30, alors que mes backups sont 10h et 11h, ce qui se passe, c'est que avec Barman, je peux décider de restaurer mon système quelques secondes avant l'incident. Parce que lui, il a la possibilité d'exploiter les logs de PostgreSQL pour charge, pour restaurer la base de données. Donc, avec ça, on arrive à faire de la récupération à une date ponctuelle, ce qu'on appelle du PITR, Point in Time Replication. Je ne sais pas si okay. Je vous réponds. Oui, c'est bon. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a des outils équivalents pour les autres systèmes de gestion de base? Pour les autres SGBD, quoi. Bon, ça doit exister. Ce qui se passe, c'est ceci. Je pense, par expérience, je n'ai vraiment utilisé que deux, MySQL et puis PostgreSQL. MySQL, ça fait un moment que je n'y ai plus touché, donc je ne suis plus vraiment dans ça. Que j'utilise le plus, que je maîtrise le mieux, c'est PostgreSQL. Pour raison pour laquelle c'est de ça on parle. Maintenant, je suis sûr, parce que, en fait, la possibilité que Barman offre là, c'est juste une surcouche pour faciliter la vie à ceux qui ne voudraient pas faire les choses à la durée PostgreSQL. Sinon, PostgreSQL à lui-même tout seul offre tout ce qu'il faut pour faire les backups incrémentales dont on a parlé tout à l'heure là, et les restaurations. C'est juste que c'est des configurations un peu longues et pas vraiment accessibles à tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec. C'est là que les utilitaires comme Barman et autres interviennent. C'est comme, par exemple, au lieu d'écrire des scripts, est-ce qu'il y a un terminal utilisé phmyadmin? C'est le même principe. Mais je pense, en fait, que les autres bases de données aussi, supposent NoSQL ou même les autres, doivent offrir des possibilités à leur niveau pour faire des backups incrémentales. Mais comme je ne m'en sais pas, je ne peux pas répondre. Mais je pense qu'elles doivent avoir ça. Parce que c'est un must d'avoir des backups incrémentales. OK, super, merci. Donc, rapidement, j'en étais où, très bien, on parlait du backup, pas du backup qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc, je viens de le backup PG. Et on a une backup qui est faite à 10h21 sur le serveur. Donc, ce qu'on va faire là, on va nous-mêmes jouer au garçon et supprimer les enregistrements qu'on avait faits sur notre serveur. Ça va être ça, notre incident. Donc, je vais choisir ma base de données test. Après, je fais select star from host. Pour qu'on soit sûr tous, il y a de la donnée dans la base de données. Donc aujourd'hui, alors on parle là. À notre première sauvegarde, on avait deux lignes. Donc on va simuler l'incident. Donc je vais faire delete from host. Si je veux même là, je vais même supprimer la table, c'est du pareil au même. Donc quand je fais delete from host, je supprime toutes les lignes qu'il y a dans la table post.
Donc, quand je vais faire select ça, from put, demain, il va y renvoyer. Bon, on a notre business qui en feu parce que quelqu'un, sans le savoir, a supprimé toutes nos données. On doit pouvoir revenir en arrière facilement. Ça, le scénario du SQL, le PG tombe, donc le backup full permet de régler ça. Le scénario qu'on a là. Maintenant, je suppose si ce n'était pas toutes les données qui avaient été supprimées, c'était une partie, ça ne va pas être forcément aisé. Donc, ce qu'on va faire là, je vais refaire un autre backup au niveau de Barman. Barman, backup et PG, le serveur enregistré. Je fais un nouveau backup. Comme ça, et je vais venir ici. Comme ça, je dis que le premier backup, il portait sur les deux lignes. Le backup qui a suivi n'a aucune ligne. Maintenant, on va enregistrer de nouvelles lignes. Je vais venir ici faire ce truc-là rapidement. Donc, je vais ajouter de nouvelles lignes. Ici, ça va être un pro. Je vais faire ça. Je vais faire 2025. Je fais ça. Donc, on va enregistrer de la nouvelle donnée dans le système. Donc, l'incident a eu le temps de passer. Il y a eu de nouvelles données dans le système. Désormais, le Celesta from pause va nous renvoyer la nouvelle donnée qu'on a enregistrée là. Je peux encore faire un backup si ça m'intéresse. Ces backups-là, en fait, en situation réelle, on peut juste les automatiser avec des tâches cron. Donc, on peut juste écrire des tâches cron qui nous permettent de faire les backups incrémentales là, facilement. Ici, je vais maintenant faire P et Barman sur le serveur Barman. List backup PG. Quand je fais ça, c'est mes trois sauvegardes qui sont listées. Les trois sauvegardes qu'on a eu à faire aujourd'hui. La première, qui est celle qui avait les trois lignes. La seconde qui n'a aucune ligne, la dernière qui a une ligne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de restaurer la sauvegarde de départ, sinon que l'intermédiaire là, si c'est ce qu'on veut, ou la tête de départ en son état. Donc, Barman offre une option, c'est restore. Recover. Donc, il va nous permettre de récupérer, donc de restaurer une sauvegarde qu'on aurait pu faire n'importe quel moment. Et si on voit les options que il offre là, ou bien elle offre, on a une option target time. Ça suppose que je peux restaurer ma base de données à une date bien précise que je maîtrise, la voir en l'état et continuer avec ma belle vie. Et c'est là l'avantage des sauvegardes incrémentales. Donc, ce qu'on va faire, c'est la commande, je l'ai déjà dit, il y a ces options-là. Ça revient en fait à, c'est ici la commande Barman Recover. Je vous mets une nouvelle commande SSH, les options exigées par Barman. Je mets tout vers le serveur de base de données qui m'intéresse. Je mets le target time, le temps qui m'intéresse. Et je mets le dossier dans lequel il faut charger les sauvegardes. Donc, pour faire cette opération-là, il y a deux cas. Soit c'est que je charge les sauvegardes dans un dossier à part. Soit c'est que je charge les sauvegardes directement dans le dossier de ma base de données. Et donc, la seconde option, c'est ma préférée. Ce qu'on va faire avant ça, c'est d'arrêter le serveur de base de données. On le stoppe, on charge les sauvegardes, on le redémarre. Donc, je vais copier la commande que j'ai là. Au niveau de la base de données, je vais arrêter le serveur rapidement. Donc, je fais sudo service post gri stop. Donc, j'arrête la base de données. Au niveau de Barman, je vais charger la sauvegarde. Putain. Ça. Très bien. Donc, je veux récupérer, j'ai dit tout à l'heure, la sauvegarde. Bon, on a le choix entre les
n'importe quel sauvegarde, soit la première, seconde ou la troisième. Donc ici, Barman Recover, il prend la remote commande, le target time, le temps que je veux, le temps que je veux ici. Si je veux la première sauvegarde, elle est faite à 10h21. Donc je vais juste venir ici et mettre 10h20 par exemple. Ce qu'on fait là, en fait, on s'arrange pour avoir un target time inférieur ou égal au, à la date de la sauvegarde. Parce qu'en fait, il doit faire une copie jusqu'à la sauvegarde. Donc, si c'est un temps, si c'est une date ultérieure à la sauvegarde, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit une date antérieure à la sauvegarde. Donc, une date au plus égale à la date de sauvegarde. Donc, là, je vais prendre 10h20 comme le temps qui m'intéresse et je vais exécuter la commande pour restaurer la base de mes sauvegardes. Donc, quand je l'exécute, destination directory. Alors, il y a un truc que j'ai oublié rapidement ici. C'est la sauvegarde que je veux restaurer, l'idée de la sauvegarde. Aussi, est pris comme argument. Donc, il y a la remote commande, le target time, le serveur sur lequel je veux restaurer, l'idée de la sauvegarde. Donc, ici, on a le nom du serveur, ici, le lead, les informations. Donc, là, on va mettre l'idée de la sauvegarde et le dossier dans lequel on veut restaurer. Quand je fournis toutes ces options et que j'exécute la commande, il y a une erreur qui dit request target time is before the backup end. C'est pas normal. Ça nous dit là que le temps, en tout cas la date de restauration que je fournis là, est ultérieure à ce sauvegarde. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Non. Is before. Okay. Yeah. Oui, c'est ça. Is before, c'est bien ça. C'est avant. Pas is before, c'est que c'est antérieur. C'est antérieur. C'est pas normal, ça. La sauvegarde, c'est 10h21. Super. Pourquoi il va faire ça? Ma copine t'aime, 10h21. Pas normal. C'est une comp. C'est pas bien. Peut-être qu'il faudrait essayer avec le backup qui est en haut là. Oui, bon, ça c'est le premier. Le second ou le premier, quoi. Oh, oui, bon, peu importe, l'un ou l'autre des cas, c'est, ça pense revenir au même. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on veut se placer à un instant. Tu sais faire le backup. Maintenant, en fait, ce n'est pas vraiment intéressant d'utiliser encore la date de sauvegarde. Bah, le scénario qui intéresse le plus, c'est si j'ai un incident, comment je vais arriver à récupérer avant l'incident. Oui, au fait, oui. Je me dis que là, par exemple, oui. dans le listing que tu as fait là, il n'y a pas de backup avant cette date-là. Je me dis que c'est peut-être plus. C'est ça le problème. Ah, ok, je comprends. Je n'ai pas de backup avant la date-ci. Ouais. Ok, on va essayer ceci, voilà. Mais je pense que ce n'est pas chose qui est censée causer des ennuis. Ce n'est pas censé causer des ennuis. Donc ça fait pareil. Ce qui n'est pas normal, je ne comprends pas. Il faudrait changer le target time avant de d'exécuter ça, ou je me trompe. Non, le target time, en fait, lui, pose un grand problème. Donc là, ce n'est pas compliqué, on lit juste la documentation, on se retrouve. Ok. Target time. Ici, pas mal. Je
Bon, on va faire à la mode. Donc, je vais demander à une IA de nous assister pour qu'on sache ce qui ne va pas. Donc, Bahman, PG, Bahman, the web says you encounter a new barman indicate that before the situation can occur if backup were taken in later point that attacker them if attacker should indeed be after that time address it accordingly and show that attacker there is intéressant là. Intéressant là. Alors, c'est pas ici que ça doit rater ce truc. Hein. C'est un moment magique. Pourquoi toi, tu ne viens pas? Et si tu essaies ce que Aristide a dit? Ça, oui, je viens de faire, oh. Ça va marcher aussi. Ok. Donc, t'inquiète, il veut me dormir. Hein. Je ne vais pas le laisser faire. That time should be either before exactly. Il dit quoi finalement? That time should be either before exactly as the end time. Mais pas quoi? After it. Je vais faire un truc, ça va être utilisé exactement le backup time. Backup, je vais prendre le backup time. Oui, backup time là, et l'exploiter. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Bon, là, ce que j'ai fait, j'ai pris le backup time, donc la date à laquelle là, il a fait la sauvegarde pour passer vite. Et là, c'est OK. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'on vient de restaurer la base de données, c'est bien mis là. Il va commencer les trucs, faire tout. Il finit ce qu'il veut faire là, il finit tout. Il recovery, c'est fini. Donc, quand je reviens au niveau de mon service, start, je le démarre mon produit, quand tout est déjà prêt, que je fais PSQL désormais. Choisis la base de données, puis je fais select star from host.
Ah non, non, c'est test. C'est ça qu'on pose. Il m'a retrouvé les deux lignes. Les deux lignes que tout à l'heure on avait bien supprimées. Donc en fait, c'est un peu ça le principe. On fait des sauvegardes incrémentales. Donc à des instants bien définis. On fait un backup de base, on garde. Et après, on fait de petites sauvegardes quand on arrive, en tout cas avec le temps. Et à un moment donné, qu'on veut. On arrive à restaurer l'état du système à une date qui nous intéresse. Batman nous permet de le faire. On peut aussi le faire directement avec Postgre en lisant sa documentation, en mettant un peu la main dans les configs. On arrive à configurer Postgre pour le faire tout seul. Tout ça là est possible grâce au fichier WAL que Postgre génère, le fichier de journalisation qu'il génère, qu'il maintient à son niveau. Donc, on vient de parcourir un peu les thématiques de backup avec Postgre, le full backup et backup incremental en passant par les WAL pour finalement utiliser Batman pour déclencher nos sauvegardes et puis pour les restaurer. Donc, si tout ce qu'on a à faire ici au niveau de notre serveur Batman, c'est de setup des tâches CRON, sinon qu'une tâche CRON qui nous permet de faire l'opération. Maintenant, il y a une petite particularité, il y a deux petits trucs qu'il faut garder en tête. Quand on fait ce type de configuration, ce type d'opération, les backups là, c'est bien détaillé au niveau de la documentation de Batman. Je vais aller, si on va lire rapidement. Et je vais prendre. Et ça. Donc, ici. C'est ces deux valeurs-là. Je viens dessus à la fin pour une bonne raison. Il y a le RPO et le RTO. Le RPO point pour recovery point objective, le maximum target period input data may be lost from IT service to the major incident. Donc ça, là, ça suppose ce qu'on est prêt à perdre. Donc, si j'ai un incident, là, qu'est-ce que je veux perdre? Jusqu'à quel quantité de données je suis prêt à perdre. C'est ça le RPO. Et le RTO, c'est le recovery time objective, the target duration of time of. Bon, tout ça veut dire en fait le temps de. Le temps qu'on est prêt à supporter que notre service soit en. Donc, un peu plus en bas, il est mis là, zéro data loss et zéro temps terme. Donc, quand le RPO est nul, c'est qu'on ne veut perdre aucune donnée. Quand le RTO, on arrive à le rendre nul aussi. C'est que on ne peut pas avoir de downtime. En gros, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Batman, avec les tâches CRON, ça permet de faire des. Bon, avec Batman, qu'on peut automatiser avec des CRON, va nous permettre de façon automatique de déclencher les backups. Mais ce qui va se passer, c'est que si je mets ma tâche CRON à chaque 30 minutes, je pourrais perdre en fait les données juste avant ma sauvegarde. Et là, ça, c'est là que le RPO intervient. Combien jusqu'à quand je peux perdre? Et pour rattraper cet élément-là, c'est là qu'intervient le archive commande de Postgre qui, de façon systématique, nous permet, à chaque fois que les fichiers de log atteignent 16 mégas, de faire une copie sur une source distante. Donc, on a le couple sur Batman qui permet de faire des sauvegardes à son niveau. Avec les WAL. Et derrière, automatiquement, on met en place aussi de quoi faire les copies de WAL, le temps que au cas où la sauvegarde ne serait pas faite. Donc, on a ce couple-là qui collabore. Maintenant, le RT, toujours pour le RPO, combien de données on est prêt à perdre? Suppose que si on laisse les copies par défaut de Postgre, qui font qu'après 16 mégas, ils changent de fichier de log de WAL. C'est qu'on se met dans une logique où on est prêt à perdre 16 mégas de données. Est-ce que 16 mégas de données pour nous, c'est significatif ou bien c'est insignifiant? C'est le business qui permet de déterminer, de l'apprécier. Donc, selon le cas, on peut se retrouver à aller modifier même la valeur là pour pouvoir avoir nos logs qui suivent très, très, très vite, de façon à ne rien perdre. Le RPO, ça va aller vers tout ce qu'on met en place pour très vite répliquer notre donnée. De façon à ce que les services ne soient pas dans.
Donc, peut-être qu'on a mis tout, en place toute une machine qui fait que dès qu'on a notre base de données qui a un souci, en même temps, on a un autre serveur qui prend, ou bien on a plusieurs bases de données derrière pour backup. Donc, c'est tous ces scénarios-là qui interviennent. Derrière tout ce qu'on vient de dire là, je vais vous demander de poser, de relire les documentations, aussi bien de Postgre que de Barman. C'est de vraies mines, de vraies sources d'informations. Et c'est seulement avec cela que on pourrait atteindre la perfection, savoir réellement comment les choses marchent et les manipuler. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis un peu à la fin. Si vous avez des questions à me poser, je pense que je vais les recevoir avec joie. À vous, Thomas. Je vous écoute. Merci, Trinité. Ok, monsieur Thomas. Hello. Oui, on vous reçoit. Ok, merci. Merci pour la brillante présentation. Ma question, c'est est-ce qu'on peut automatiser tout ça? Est-ce qu'on peut mettre ça dans un pipeline ou bien dans un système d'automatisation de backup pour que régulièrement toute cette opération-là puisse se faire automatiquement? Oui, merci. Oui. Je veux répondre oui. Je veux essayer de casser un peu la réponse. Oui, en fait, ce qui est là tout de suite un peu barbant, c'est mettre en place toute la machine. Donc, on peut automatiser cette tâche-là. C'est au bon vouloir. Mais ça reste juste la configuration et des choses, des modifications qu'on fait. Par le passé, je l'ai déjà fait avec Ansible où j'ai écrit mon playbook qui me permet de faire tout ça là. Sur mes différents serveurs, d'avoir ma config qui est opérationnelle. Donc, ça peut être fait. Maintenant, quand on passe l'étape des configurations, des trucs à mettre en place et autres, ce qui vient juste, c'est maintenant de récupérer les données pour faire les backups. Ça, là, déjà, j'ai parlé du compte qui peut le faire. Maintenant, même la phase de récupération en situation d'incident aussi peut être automatisée. On peut avoir une pipeline qui permet de... On peut avoir une pipeline qui nous permet de lancer un certain nombre d'opérations avec des variables bien définies pour récupérer un système en un état. Tout est possible. D'accord, super, merci. Autre question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à Trinité? Nous sommes à la fin de notre atelier. Une question? Bon, il n'y a pas de question. Moi, j'ai une question. Je veux savoir. En fait, ce qui s'est passé, je ne sais pas si, de toute façon, ça s'est passé là, c'est apprécié de tous. En tout cas, si vous l'avez apprécié. Derrière, j'étais parti pour une option de. Bon, je préparais bien sûr une slide. Je discutais avec un gars qui. Et bon, je me suis dit pourquoi ne pas en fait y aller en live comme ça, comme si on se mettait en situation de classe ou bien on était en entreprise et ça pétait sur nous, on essayait de se rattraper et tout. Ça a fait que mon slide, je laisse finalement saper, j'ai gardé seulement la première page de présentation. On ne sait pas si l'expérience telle qu'elle s'est déroulée avec moi qui parle tantôt sur des sites web, tantôt dans le terminal, ces choses que vous avez appréciées. Si oui, dites-le moi ou non. Maintenant, s'il y a des façon de faire qui pourrait vous rendre la chose un peu plus agréable que vous voudriez. Dans ce sens aussi, ce serait intéressant aussi de nous informer. Vous avez la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Allez, allez, Tario. Tario, tu peux ouvrir ton micro, hein. Bon, on ne te reçoit pas ici, je ne sais pas. On ne te reçoit pas. Bon,